Bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. Quatre terriens de choix avec nous ce soir. Marion Bartoli. Marion Bartoli, bonsoir. Bonsoir. Alors Marion, on ne vous applaudira jamais assez pour avoir remporté Wimbledon l'an dernier. Votre victoire est un incroyable exploit quand on est française et hétérosexuelle. Hein. Michel Field. Michel Field, bonsoir. Bonsoir. Michel Field, c'est vrai que votre deuxième prénom, c'est Strawberry. Bravo. Benjamin Castaldi. Alors Benjamin, vous avez lancé la télé-réalité en France avec Love Story. Vous avez des nouvelles de Loana? Non, j'en ai pas. 5 tentatives de suicide en 6 ans. Quand ça veut pas, ça veut quand, pas. Quand hein. Ça veut pas, ça veut pas. Et Médine. Médine, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous décrit souvent comme un rappeur qui fait zéro concession, qui veut se compromettre avec personne. J'imagine que vous retrouvez sur Canal+, assis à côté de Benjamin Castaldi. Ça peut niquer votre carrière, non? Ça va la propulser. Merci. C'est gentil. Il a pas dit où. Merci, Michel. En P3, après Le Zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre terrien du samedi 20h. Ce soir, Stéphanie Clavery, qui raconte le choc d'un couple français blanc qui adopte, sans le savoir, un enfant noir. Nous sommes ensemble sur Terre jusqu'à 20h25 avec les gréements de fortune. Alors Benjamin Castaldi, rebonsoir. Je voudrais vous rendre hommage parce que sans vous, il n'y aurait jamais eu Stevie. Non, c'est vrai. Il n'y aurait jamais eu Loana. Non, non plus. Il n'y aurait jamais eu Kenza. Non plus. Benjamin Castaldi, finalement j'ai l'impression que la seule star vraiment qui soit sortie de la télé-réalité, c'est vous, non? C'est pas faux, c'est pas faux. C'est pas complètement faux. En même temps, tout le monde a refusé, j'étais le seul à vouloir y aller. Bah oui, au départ, c'est un coup de poker incroyable. Absolument. Et puis finalement, c'était le jackpot. Voilà, c'est ça. C'est le seul jeu où vous ayez gagné quelque chose, en fait. Ouais, voilà. Voilà. C'est une bonne soirée, j'ai l'impression. Ouais, c'est d'accord, ça va être bien, ouais, ça va être sympa. Alors cet été, c'est la 8e saison de Secret Story. Allez. Alors vous avez un concept génial, hein. C'est le casting gouvernemental avec des secrets absolument dingues. Ouais. J'ai un compte caché en Suisse. Bien sûr. Mon fils a acheté un appartement 7 millions sans bosser. Sans bosser. J'ai couché avec Julie Gaillet, enfin c'est ouais. Quand même... Non, je rends visite à ma maîtresse avec un casque. Ouais, vous les trouvez où les candidats? Ben, moi je m'occupe pas du casting. Hein. Ah ouais? Moi je prends ce qu'on me donne. Parce qu'on dit qu'il y a un BTS de télé-réalité du côté de Nîmes, non? Plutôt vers Nice. C'est vrai, ils viennent tous des endroits où on vote Front National, c'est marrant. Mais... Ou du Sud ou du Nord. Voilà, c'est ça. C'est ça. Chaque année, vous en faites quoi des candidats après l'émission? Vous les vendez? Ah oui, je pensais que vous les vendiez à un cirque. Moi. Alors, avant Secret Story, le 14 février prochain à 20h45 sur Gulli, oui. Il y aura le premier épisode de Tahiti Quest, ouais. 5 familles pour une île. Ah oui, c'est ça. Ah oui, devinez. Sympa. C'est sympa. C'est très sympa surtout à tourner à Tahiti. C'est magnifique. Alors le concept, c'est 5 familles s'affrontent pendant que Benjamin Castaldi est en vacances à Tahiti. Voilà, c'est à peu près ça. C'est toi qui as eu cette idée? Non, c'est pas moi, on me l'a proposé, j'ai accepté. Ah oui, comme par hasard. La vertu de ce programme, et là je vais être sérieux 2 secondes, c'est que ce sont des familles qui ne s'émulent pas entre elles, mais qui, paradoxalement, vont apprendre les codes entre parents et enfants. Et ce qui est intéressant, c'est que les enfants pensent que leur papa et leur maman sont les meilleurs, les parents pensent que les enfants sont toujours à cadrer, et finalement, les rapports de puissance s'inversent. Il n'y a pas de nichon? Là, non, pas du tout. Mais pourquoi ils t'ont appelé, alors? Mais... C'est pas très bien payé.
Ah non, pas du tout, non, mais c'était pas le but. Hein. Alors, ça n'a pas arrangé les affaires de votre père, Jean-Pierre Castaldi, qui a été obligé de vendre sa Porsche pour acheter un cheval à votre sœur, quoi. Non. C'est quoi cette histoire ? Si vraiment il a dit cette connerie, ouais. Vraiment je revendique pas. Ah ouais. D'autant que le cheval, c'est moi qui l'ai payé. C'est vrai. J'en suis sûr. Tu l'as à ta charge, ton père ? C'est un fardeau, puis il est lourd. Hein. Alors, vous vivez donc une grande partie de l'année à Los Angeles. Mmh. Alors, comment vous allez faire ? C'était, vous allez faire l'aller-retour tous les jours ? Non, je vais quitter un petit peu Los Angeles pour travailler. Vous allez retrouver Vanessa ? Ah oui, non, mais ça, c'est ma femme. On se voit, mais vous savez quoi ? Je me rends compte d'une chose. C'est le secret des couples qui durent. Non, ça. Mais sans déconner, j'ai été marié trois fois quand même. Ouais. Je les connais un petit peu dans le. Alors j'ai fait coller serré, coller trop, puis généralement ça explose. Ouais. Ça coûte un max en plus, et ouais. Il faut qu'un couple dure. L'éloignement, ça a du bon, et je suis très sérieux. Alors, en tant que star américaine de passage à Paris, est-ce que Aurélie Filippetti vous a nommé chevalier des arts et lettres ? Non, mais il y a peu de chance quand même, j'ai un peu de travail. Ouais, tous les gens qui habitent en Amérique, on leur donne. Hein. C'est vrai ? Ah, ouais. Alors en fait, vous êtes aux États-Unis pour vendre votre concept de jeu, mm-hmm. What Have You Got ? Ouais. C'est quoi le concept ? C'est très simple, vous prenez un jeu de cartes classique de 52 cartes, vous choisissez 5 cartes sans les regarder. Ouais. Il reste donc 47 cartes. Le but est de retrouver ces 5 cartes. Comment on les retrouve ? Derrière chaque carte se trouve une question. Quand on répond bien, la carte se retourne. Quand on répond mal, elle disparaît. Bien. Super idée, bravo. Non, bah, merci. Bravo. Benjamin Castaldi, mesdames, messieurs. Alors, en fait, votre vraie reconversion, vous la ferez dans le cheval, non ? Je ne sais pas si les gens le savent. Non, mais je suis pas vous êtes un excellent cavalier. Oui, c'est vrai. Bon, on va regarder Superman à cheval. Non, on fait dire aux images ce qu'on veut. En fait, le drame, c'est que Superman est quand même tombé à cheval et a fini en chaise roulante, quand même. C'est vrai. Mais oui, le Superman... Christopher Reeves, oui, bien sûr. Et il en est mort. Et en fait, j'ai réalisé ça après. Marion Bartoli, rebonsoir. Alors, le 6 juillet 2013, à 28 ans, vous remportez Wimbledon. C'est énorme! Un ace pour Marion Bartoli qui remporte ce tournoi de Wimbledon. Première française depuis Amélie Mauresmo 2006. Ouais! Je déclarais, c'est un rêve que j'avais depuis l'âge de 6 ans qui est devenu réalité. C'est génial. 22 ans pour y arriver, oui, il fallait persévérer, ça c'est ouais, sûr. Mais bravo. Quel moment, c'était... Bravo. Maintenant, il vous reste quoi comme rêve à accomplir, à part piquer le mec de Sharapova ? Ah non, j'en veux pas, Dimitrov, c'est bon. Non, je sais pas, plein, fonder une famille, me marier, bah vous bossez à Eurosport, réussir, on vous... bienvenue dans la grande famille de la télévision. Oui, voilà, réussir dans la télévision, être heureux, simplement. Alors, il paraît que quand vous avez gagné, vous avez reçu... un SMS d'Henri Lecomte qui voulait savoir ce que ça faisait de gagner un tournoi. Non, faut dire... C'est pas gentil. Non, dire, le seul truc qu'il a gagné, Henri Lecomte, dans sa carrière, c'est un contrôle fiscal. En plus, je bosse avec lui sur Eurosport, tu peux oh pas me faire ça. Oh putain. Henri, c'est moi. Hein. Henri, mon chou, l'écoute pas. Il a gagné la Coupe Davis, Henri Lecomte. Oui, mais justement, c'est... Parce que je l'ai vu gagner la Coupe Davis avec Guy Forget. Mais j'ai ouais, voulu non, mais être je suis un méchant. Tennis, en fait, donc voilà. Alors, vous avez gagné Wimbledon, jamais Roland Garros. Pourquoi ? Parce qu'il y avait PPDA dans les tribunes. Ça vous impressionne. Hein. Très non, c'était Patrick Bruel. J'étais focus sur Patrick Bruel. Ah, j'avais plus à regarder la balle. Ouais, c'est ça. C'était compliqué. Il y a un truc quand même, c'est qu'en 2007, à Wimbledon, à un moment, vous étiez down. Ouais. Et là, vous voyez Pierce Brosnan dans le public. Et ça vous a reboosté. C'était magique. Et voilà. Il est beau, hein ? Il est très, très beau. Beaucoup de classe, en plus. Ouais, ouais. Surtout quand on reçoit les roses le lendemain, hein, parce qu'il s'excuse pour pas venir sur la finale, tu vois, avec le petit mot écrit. Quand même la classe internationale. Ah là là, c'est ouais, classé James Bond en même temps. Ouais, mais en même temps, ouais. D'accord. En même temps. En même temps.
Ouais, c'est pas Superman. Ça, c'est sûr. On va jouer au tennis bientôt. Parce qu'il joue un peu au tennis. Bah, il a un club de fit maintenant, c'est quoi ton truc? Un club de fit? Non, non, non. Attends, non, mais il a un club. Il a un site de fit, non? Alors, comment ça? Je vais y arriver. Non, mais c'est bon. Je suis comme Bartoli. Mais il a un. T'as dit quoi? Ardisson, 52e. T'as dit quoi? Hey, tu redis, t'as dit quoi? Quel tocard, ce Ardisson. Dis-moi. Ouais. Non, mais t'as un site de fit ou pas? T'as un attends, site... attends, mais à deux secondes. Bon, c'est pas grave. T'as un site de fit? C'est l'impossible promo. C'est bon? Ça va aller? Vas-y, vas-y. Bon, Marion, à moi. Bon, tu t'arrêtes maintenant. Vas-y, regarde ailleurs. Vas-y. Je t'écoute pas. Laisse-moi avec Madame Bartoli. Et alors, un mois après Wimbledon, vous prenez votre retraite. Pourquoi? Oui. Vous en aviez marre de vous faire traiter de sale hétéro par les joueuses, c'est ça? Alors non, plus d'épaule. Alors si t'as une épaule en kit pour Noël, je veux bien. Ah, c'est votre épaule? Mais oui. Là, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que le matin, des fois, je me lève et je suis comme ça. Tu vois. Ah, vous pouvez plus servir, quoi. Non. En tous les cas, vous avez ouvert un véritable chemin pour toutes les filles qui jouent au tennis qui sont hétéros. Maintenant, elles pensent qu'elles peuvent y arriver. T'as vu, hein? C'est l'obsession, Thierry, le côté hétéro des femmes, des filles joueuses. Ah ouais, ouais, elles sont toutes lesbiennes. Mais les non, filles. Non. C'est vrai ou pas, Marion? Non. Mais non, regarde Sharapova, Serena, Azarenka. Ouais, je connais pas. Alors, on vous a beaucoup critiqué, hein, quand même, non? Oui, mais ça fait partie du jeu. Ouais, pour votre c'est jeu. Pour votre père, ouais. Votre physique. Ouais. Marc-Olivier Fogiel vous a traité de grosse. Ouais, t'as vu? C'est pas sympa. C'est méchant, hein. Ça va, il est pardonné, c'est pas grave. Ah, vous lui pardonnez? Moi, je suis pas rancunière. Ah ouais, vous êtes sympa, non, alors. Je m'en voudrais pas après l'émission, alors. Non, mais non, jamais. On fera une photo, d'ailleurs, ouais. Parce que je vous adore. Et pourquoi vous vivez pas en Suisse? Parce que tous les joueurs de tennis français vivent en Suisse, ils sont meilleurs en fiscalité qu'en tennis, d'ailleurs. Pourquoi vous habitez ici? Je sais pas, mais j'habite pas ici, en fait. Vous habitez où? À Zurich. C'est vrai. J'habite dans les chambres d'hôtel, tu vois. Vous êtes résidente suisse ou pas? Depuis très longtemps. Ah depuis, ouais. J'ai l'âge de 17 ans. C'est marrant comme quoi le tennis, ça t'amène en Suisse. Hein. Non, c'est pas le tennis, c'est la lucidité. Alors Michel Field, rebonsoir. Rebonsoir. Vous avez travaillé sur TF1, Antenne 2, Canal+, Re-TF1, France 3, France 2, Paris 1ère, Re-TF1, LCI. C'est plus un CV, c'est un zapping, là. Il y a la moitié de choix et l'autre moitié où on se fait virer. Ouais, donc voilà, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, où on veut. Alors aujourd'hui, vous faites donc le 5 à 7 de LCI, plus la revue de presse le matin, Au fil de la nuit sur TF1, Historiquement chaud sur la chaîne Histoire et Mediapolis sur Europe 1. Attends, tout ça en même temps? Tout ça dans la semaine. Et vous publiez donc Le Soldeur chez Julliard. On va en parler. Mais d'abord, on va voir comment tout ça a commencé. Il est hors de question pour nous de défendre quelques privilèges que ce soit, basés sur un privilège de classe aux seuls étudiants. C'est pour ça que les lycéens en lutte aujourd'hui avancent les mots d'ordre de rétablissement des sursis, certes, mais aussi extension des sursis à tous les jeunes. Et voilà! Et voilà Michel Field. C'était chiant, hein. Alors, vous aviez encore un peu l'accent à l'époque. Ça, j'ai perdu. L'accent de Saint-Saturnin-des-Aptes. Ouais, ouais. Chacun son Superman. Voilà. Hein. C'est un peu ça, oui. Alors, c'était votre première apparition télé le 19 mars 1973. À l'époque, vous étiez à la tête du mouvement lycéen contre la loi Debray. Vous étiez engagé dans la LCR à 14 ans. Ce qui m'a permis d'en partir à 20 ans aussi. Oui. Donc je trouve que, comme oui. Je vais bientôt fêter mes 60, il y a prescription. Il y a prescription. Mais non, on me refait non. Toujours c'est ça. C'est pas voilà. Un reproche, non, c'est juste parce que vous avez une tête marrante, hein, c'est oui. Tout. Hein. Vous n'avez pas beaucoup changé, hein, regardez. Oui, un peu moins de cheveux non, quand non, même, non, quelques non. Kilos en plus. Alors, et... Vous avez fait quoi de ces cheveux? Un pull au vert? Je l'ai donné à Anne Sinclair. Alors ensuite, vous êtes devenu professeur de philo. Auteur de romans érotiques, et c'est comme ça que vous avez été recruté par Christophe de Chavannes pour Ciel Montmardi lors de la promotion de votre livre érotique. Il vous a dit
tu me fais marrer, est-ce que tu ne vas pas revenir demain, quoi. C'est exactement ça qui s'est passé. Et je me souviens d'un espace de transgression et de liberté incroyable. Et c'est vrai que ça a beaucoup marqué. Et la moitié des débats de ciel seraient aujourd'hui impossibles, attaqués par mille et une associations. C'est intéressant parce que plus la liberté se développe par Internet et tout, et finalement, plus la censure ou l'autocensure se développe. Alors, vous rendez compte quand même que c'est grâce au sexe, au vice et au libertinage que vous en êtes là où vous en êtes. C'est aussi parce que t'as couché que t'es là, donc tu vois, on sait bien comment ça marche, la télé. C'est une formidable leçon d'espoir pour tous les obsédés qui nous regardent ce soir. Alors, ce qui est drôle, c'est que maintenant vous faites les 5 à 7 d'LCI, vous avez renoncé au vôtre. Oui, mais c'était un petit clin d'œil, justement, à ce passé sulfureux. Ouais. Quand j'ai repris le 17-19, j'ai eu envie de l'appeler 5 à 7. Dites-moi, Michel, vous qui bossez à LCI, il y a des mecs qui tournent autour de ma femme ou quoi? Je surveille. Ouais. Pourquoi des mecs? Pourquoi cette hétéro? Oui, c'est vrai. Oui, ça pourrait être des gonzesses. Il y a quelques gonzesses. Il y a quelques gonzesses, oui, c'est vrai. Alors, on vous a beaucoup reproché d'être passé de Trotsky à Bouygues. Mmh. Alors, pour citer Michel Sardou, qui est quand même un philosophe important. Important. Aujourd'hui, est-ce que vous diriez « Lénine, réveille-toi, ils sont devenus fous » ou est-ce que vous diriez « elle court, la maladie d'amour » elle court, la maladie d'amour », c'était quand même... une sorte de cri d'alarme avant le sida qui était extrêmement intéressant. C'est vrai, tout à fait. Alors, comment vous êtes passé de l'un à l'autre? Est-ce que c'est en voyant les filles que se tapaient les capitalistes, en les comparant avec Arlette Laguiller, que vous avez dit, il faut que j'arrête, quoi? Non, alors là, c'est pas vrai du tout, parce que tous les anciens militants pourraient vous le dire, les militantes étaient ravissantes, et en plus, certainement pas, ni des femmes potiches et tout, comme on les retrouve quelquefois dans la... Puis elles étaient libérées, surtout, Elles étaient libérées. Alors, Michel, vous publiez chez Julliard un livre intitulé « Le soldeur ». Alors, le pitch, c'est un homme, un jour, qui décide de vendre ses livres chez un soldeur. Il croise une femme jeune, assez jolie, qui le subjugue. Elle lui propose un pacte. Elle lui dit « Je vais te donner des mots. Et chaque fois, tu viendras avec des livres en rapport avec ce mot. » C'est un défi qu'elle lui lance. Et donc, elle lui dit « Enfance », par exemple. Donc, il revient avec des livres d'enfance. D'abord, j'avais envie de faire un livre sur ma bibliothèque, parce que j'ai une grosse bibliothèque. Et mon idée, c'était, arrivé à ce moment de ma vie, est-ce que cette bibliothèque, elle m'encombre ou est-ce qu'elle m'aide à vivre? Et donc, j'ai eu cette idée de quelqu'un qui... Alors, au départ, il ne va pas pour vendre tous ses livres, il va pour en vendre quelques-uns. Et là, il rencontre cette femme et petit à petit, il y a une sorte de spirale infernale qui s'enclenche à la fois pour la revoir. Et je me demandais... Faut dire, Michel, elle lui donne un baiser à chaque fois. Un petit baiser, mais vraiment pas beaucoup. Il n'y a pas de scène de cul. Non, c'est vrai. C'est pour ça que tu l'as pas vu jusqu'au bout, d'ailleurs. C'est ce qui m'a surpris. C'est pour ça que... Et la réflexion, mais que je veux joyeuse, c'est quand on se débarrasse de tous ces livres, est-ce que c'est une forme de suicide ou une forme de liberté retrouvée? Et c'était aussi l'occasion pour le lecteur de se mettre à ma place, c'est-à-dire comment je classe cette bibliothèque, pourquoi il y a des justement, livres que j'aime. Ben justement, c'est intéressant, parce qu'il y a plusieurs façons de classer. Il y a l'ordre chronologique, évidemment, il y a l'ordre alphabétique, et puis il y a aussi l'idée qu'on pourrait classer les livres... dans l'ordre où on les a lus, finalement. Ah, ça, c'est la meilleure des façons possibles. C'est la plus poétique. Ouais. On pourrait, en regardant le rayonnage de sa bibliothèque, reconstituer tout le parcours de son existence si les bibliothèques étaient rangées comme Au fond, vous êtes passé de Marx à Bouygues, mais vous êtes toujours resté un professeur, quand même, non? Je suis resté un petit peu prof. Peut-être c'est pour ça que je suis un peu chiant par moment, mais en même temps, la fin du cours n'a pas sonné. Médine, rebonsoir. Alors, Méline, après La Fouine, Aurel San, Mokobé, Ross Soprano, Mysterio et Youssoupha, vous êtes ici dans le cadre de notre opération « Les rappeurs sont nos amis ». Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, pour vous, le rap, c'est une musique engagée et vous pensez qu'on peut changer le monde avec un disque de rap? Ouais, et pas qu'un disque de rap, avec un disque tout court. Ouais. Il y a les vendeurs de disques et les vendeurs de discours. Voilà, ouais. L'idée, c'est d'amener quelque chose en plus du divertissement. Il y a eu Johnny Clegg en Afrique du Sud, il y a eu Springsteen contre la guerre du Vietnam. Enfin, c'est vrai qu'il y a des chanteurs qui ont fait beaucoup pour faire avancer des causes politiques, Michel, non?
Oui, il y a un vieux chanteur de folk qui est mort récemment, qui s'appelle Pete Seeger, et qui était un peu le père de tout ça, de Bob Dylan, de John Baez et tout. Et il y a le protest song, c'est une vraie tradition, et de temps en temps, c'est vrai que ça produit des effets politiques. Le titre, c'est le titre de son album. Pourquoi le titre, ça, à ton avis On s'est fait régler. Alors, justement, dans protest song, vous écrivez... La musique arme les hommes non armés, se propage plus vite que le mélanome de Bob Marley. Autant de guerres menées à la guitare Gibson ont contribué à changer le monde de Paname à Kingston. Alors vous écrivez beaucoup sur les faits d'actualité. Vous avez écrit sur le 11 septembre, sur le massacre des Indiens, sur les Palestiniens, sur Malcolm X, les Black Panthers, sur le djihad, sur l'incendie du boulevard Vincent Auriol, dont je me souviens très bien, nous en avions parlé dans Tout le monde en parle. Il y a du rock chrétien, et maintenant il y a du rap musulman, mes enfants, bah oui. On n'est pas obligé de l'écouter en se tournant vers la Mecque, rassurez-nous, non, ça va. Et j'espère que ce n'est pas de moi que vous parlez quand vous dites rap musulman. Pourquoi ? Parce que ce n'est vraiment pas du prosélytisme, du tout. L'idée, c'est de traiter de phénomènes de société, de parler de la communauté musulmane, mais toujours de façon sociétale. Jamais en faisant l'apologie d'une foi ou en incitant les gens, revenez, venez dans ma secte, on va prier ensemble, etc. Non, l'idée surtout là... qu'avec moi, t'aurais un peu du mal. Ah bon? On regarde à quoi ça ressemble. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux tester mon gabarit? Tu crois qu'à Paris, qu'on accueille bien les Qataris? Ferme ton bec, ravale tes blagues raciales. Ou dans ton bled, tu te feras rare comme un black asiat. Rien à battre. Et on a quoi là les gars? On a quoi un petit négro? Tu fais du rap, reste un arabe qui gâte ma black musique. Fais le malin. Eh, vous là, donc laisse le panthère. Vas-y, on nique ce sujet. Coche ton album arabian pampers. Tu crois réunir les noirs avec ton noir? Ouais, je filme là. Mais t'es qu'un demi-leader comme Harlem Désir. On dit bonjour à la caméra. Bonjour à la caméra. Ah, dis donc. On n'a pas montré les passages les plus violents du clip parce que c'est chaud quand même. Hein. Ouais, vous n'avez pas pris le morceau le plus doux à cette heure-ci de la soirée. C'est hyper violent. T'as voulu c'est passer quoi comme message en fait? L'idée c'était de se renvoyer au visage les pires horreurs que l'on peut penser sur une autre communauté. Donc c'est pour mettre en évidence tout ce drame communautariste, toute cette radicalisation qui est en train de s'installer sur la blogosphère, dans le débat public aujourd'hui. Et l'idée, c'était d'exacerber tout ça, d'ajouter une image très violente là-dessus pour, à l'instar justement des spots sur la sécurité routière, attirer l'attention. Alors, Médine, vous vous présentez comme un religieux avec un sens du divertissement. D'où votre slogan, que j'adore, « Don't panic, I'm Muslim ». C'est bien, c'est drôle. Alors, en fait, vos parents n'étaient pas pratiquants. Vous êtes devenus musulmans à l'âge de 14 ans. Vous cherchiez vos racines, quelque chose à quoi vous raccrocher, quoi. Ouais, c'était clairement identitaire. Et puis, quand on a une crise d'identité au moment de l'adolescence, c'est un peu conflictuel avec les parents, avec soi-même même. Donc voilà, et heureusement pour moi, je suis tombé à la mosquée de mon quartier où c'était des gens qui étaient relativement modérés. Ouais. Et ce n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Alors, le problème avec vous, Médine, c'est que comme Anelka, comme Noah, comme Parker, comme Sacco, vous êtes mis à faire des quenelles. Ah, c'est un problème. Ah oui, oui c'est un problème. Oui. Ça dépend de ce qu'on entend par la quenelle. Je voulais que je vous dise pourquoi c'est un problème. Bien sûr. C'est un problème parce qu'Alain Soral, il le fait au mémorial de la Shoah à Berlin, parce que ça se fait devant le mur des Lamentations à Jérusalem, parce que ça se fait à Auschwitz, devant l'école aux arts à Torah. Oui, ça dépend. Ça nous choque, je comprends, nous. Bien sûr. Je comprends très bien. Voilà. Je comprends, et c'est une provocation qui doit être comprise aussi. Dans le sens où est-ce que la provocation est légitime ou est comprise en fonction du public à laquelle elle s'adresse. Quand la provocation s'adresse à un public dit de bobos, parisiens, etc., eh bien, on y voit quelque chose de très subtil. C'est un art, c'est quelque chose que l'on va promotionner. Mais quand cette provocation est adressée à une population dit sensible,
des quartiers populaires, on y voit tout de suite l'objet d'une révolte, l'objet de quelque chose de nauséabond. Non, mais attendez, là, vous faites la quenelle devant la réplique du mur de Bethléem. Ma quenelle n'est pas celle d'Alain Soral. Ma quenelle n'est pas celle de ceux qui font ça devant l'école à Toulouse. Mais ça devient compliqué. Alors, si vous expliquez que maintenant, il y a deux sortes de quenelles... Non, en fait, on ne se soumet pas. On ne va pas se soumettre à une définition que certaines personnes donnent de la quenelle, voudraient y donner. Le point ganté noir de Carlos Smith aux Jeux Olympiques de Mexico 68... Mais pourquoi vous ne faites pas ça? Parce que les Black Panthers... Je l'ai fait, ça. Les Black Panthers, ils faisaient ça. Je continue à le faire. Ça, c'est très bien. Et je continue à le faire. Mais la quenelle, malheureusement, c'est assez mal pratiqué, quand même. Vous savez, ce qu'on a dit à Carlos et Smith quand ils ont levé le poing à Mexico 68, on leur a enlevé leur médaille. Oui, oui. On les a radiés du village olympique. Ça dépend de ce que l'on met derrière la quenelle. Si on y voit un geste anti-système, comme a pu le faire Anelka, comme a pu le faire... Médine, l'histoire du geste anti-système... Oui. Vous, vous faites la quenelle quand vous allez chez Skyrock. Donc vous allez vendre votre disque et vous êtes anti-système. Anelka, il a 3 Maserati dans son garage et il fait des gestes anti-système. Bah, c'est d'autant plus périlleux pour moi, alors, justement. Ben non, mais c'est on idiot. On assiste à quelque chose. Non, mais c'est idiot. Non, franchement, vous voyez pas, vous vous mettez, enfin, moi, je vous le dis, vous mettez dans la même ligne qu'un certain nombre de gens qui sont indignes. Moi, je ne veux pas me soumettre à une définition qui est donnée par certains médias, par certaines associations. Les grandes instances juives aujourd'hui, comme Kuckermann, ont réussi à distinguer la quenelle antisémite de la quenelle antisystème. Moi, je ne fais pas de distinction. Moi, j'ai une chose à vous dire, c'est qu'on peut être contre la colonisation de la Palestine par l'État d'Israël, mais ce n'est pas une raison pour être antisémite. Voilà, c'est pas mais est-ce que la quenelle est antisémite? Tu pourrais pas inventer un autre geste à toi? Voilà. Ce serait bien. La paupiette, je vous propose. Non, mais oui, invente la paupiette. La paupiette. Ça. Le problème, et ça a été tout le côté très pervers de Dieudonné, c'est qu'en effet, pendant longtemps, la quenelle a été une sorte de geste assez anodin, anti-système, fuck le système, etc. Ouais. Ça n'est plus ça. Donc ça, désormais, quand tu l'as fait, que tu le veuilles ou non, voilà. Et ben, tu donnes bien sûr, on t'as ne un pas sens ignorer... qui est surdéterminé, même si voilà. C'est pas celui-là. Michel a tout dit. On Michel ne peut pas dit. Ignorer les connotations, mais on peut s'en désolidariser. Ces connotations antisémites données par certaines personnes, je m'en désolidarise totalement. Très bien. Clairement. Et ma quenelle est anti-système, n'est pas antisémite. Très bien. On passe maintenant à l'actualité de la Terre avec l'édito de Blacko. Et c'est le cofondateur de la droite forte, Geoffroy Didier, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Ce soir, nous poserons la question, Manuel Valls est-il bidon ? Dimanche dernier, Manuel Valls roulait des mécaniques. À la une du JDD, il se posait comme le défenseur de la République face aux forces sombres de la réaction. Oui, mais voilà, la manif pour tous s'est déroulée dans une ambiance bon enfant et dès le lendemain, Valls capitulait en rase campagne en cédant à toutes les revendications des manifestants. D'où cette question, Manuel Valls est-il bidon ? Pour être honnête, faut reconnaître qu'il y a un domaine où Valls est très fort, c'est pour faire parler de lui. Parlez-moi de moi, y'a que ça qui m'intéresse. Un vrai pro de la communication. En 95, il était responsable de la com au PS. En 97, il était responsable de la com de Jospin. Et en 2012, il était responsable de la com de la campagne de Hollande. Pas étonnant que, selon le baromètre publié chaque semaine par les Échos, Valls soit l'homme politique qui fait le plus parler de lui dans les médias. Mais cette manière de se mettre constamment en vedette finit par agacer jusqu'à son propre camp. Manuel Valls est ministre de l'Intérieur, sauf qu'il se prend pour le Premier ministre. Lundi, c'est lui qui a annoncé que le gouvernement ne soutiendrait pas les amendements sur la GPA et la PMA. Le gouvernement s'opposera aux amendements sur ce sujet-là. Une attitude jugée trop perso par le chef des députés PS. Il y a une règle du jeu qui a été fixée avec le gouvernement et sa majorité, qui est de demander un avis au Conseil national d'éthique et d'attendre. Je propose que tout le monde attende. Cette manière de tirer en permanence la couverture à lui finit par être contre-productive. En faisant interdire les spectacles de Dieudonné, Valls s'est fait un bon coup de pub. Sauf qu'en janvier, il a perdu presque 10 points dans les sondages de popularité. Faut dire que ses résultats au ministère de l'Intérieur ne sont pas fameux. En effet, en 2013, le nombre de cambriolages et de vols à la tire a continué d'augmenter. Et que fait la police ? Eh bien, le premier flic de France s'énerve contre les journalistes. On le soupçonne en effet d'enquêter contre le Figaro, qui vient de publier un rapport confidentiel sur le mouvement de grogne qui en ce moment gagne la police.
Alors, avant de chercher à piquer la place de Jean-Marc Ayrault à Matignon, peut-être que Manuel Valls devrait commencer par faire ses preuves au ministère de l'Intérieur. Voilà, c'était l'édito de Blacco, mise en image de Julien Grappe. Geoffroy Didier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cofondateur de La Droite Forte, conseiller régional d'Île-de-France. Bienvenue parmi nous. Alors, Valls est-il bidon? Et si l'homme le plus populaire de la gauche n'était qu'une bulle spéculative prête à exploser? On va en parler. Alors, les cambriolages sont en augmentation, sérieusement, hein, plus 26% en région parisienne. La courbe de la délinquance ne s'est pas inversée et le sentiment d'insécurité des Français est en hausse. Selon l'INSEE, c'est le plus mauvais chiffre depuis 7 ans. Donc pour vous, j'imagine que c'est un mauvais ministre de l'Intérieur. Mais je crois même que c'est le plus mauvais ministre de l'Intérieur de la Ve République. Alors d'ailleurs, je pense que Blacco, il est à l'abri d'avoir la Légion d'honneur, hein, parce que enfin un journaliste qui dit la vérité sur Manuel Valls. Ouais. Pourquoi? Parce que moi, j'y ai cru à Manuel Valls. J'ai cru effectivement que lorsque François Hollande a été élu président de la République, il allait nous installer, place Beauvau, un nouveau Sarko. J'ai cru. Et puis après, j'ai regardé, j'ai observé. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu depuis 20 mois un ministre de l'Intérieur qui va de ville en ville commenter les crimes avec des caméras derrière. Et aucun résultat. Il n'y a jamais eu autant d'agressions, il n'y a jamais eu autant d'escroqueries, il n'y a jamais eu autant de cambriolages. Franchement... Si, sous la préhistoire. Si, sous la préhistoire. Mais quelles sont les raisons de cette augmentation? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une diminution d'effectifs? Est-ce qu'il y a une... Alors, bien sûr. Oui, parce que vu de Suisse, on ne comprend pas ce qui se passe c'est en moche, Après, vu de Zurich. Je suis où, là? On a vu, vu de Suisse, vu de Los Angeles, alors. Écoutez, tu vois qui c'est, Manuel Valls? Vaguement. Ouais. Vaguement. Je n'ai pas d'opinion. Moi, j'ai vécu le statut d'immigré en Amérique. Donc, je serais tenté d'être un peu du côté de ceux qui ont du mal à se faire accepter en France, paradoxalement. Ouais. En Amérique, quand on n'existe pas socialement, on n'existe pas du tout. Mais tu sais que tu as aussi du mal à te faire accepter en France. Oui, mais Mais je t'emmerde, Michel. Je t'emmerde. Et on est deux. Mais on n'a pas répondu à ma question, finalement. Non, voilà. Blague à part, je crois que d'abord, la société est de plus en plus violente, on le sait bien, qu'il y a la crise économique qui fait aussi, qui exacerbe les tensions. Mais je crois aussi que Manuel Valls n'est pas bon. C'est-à-dire que, vous vous souvenez, on avait parlé de la politique du chiffre. Non. Sarko, on disait la politique du chiffre. Et puis, il a dit, on arrête la politique du chiffre. Eh bien, par respect pour les Français, Manuel Valls, ouais, il devrait aussi être attentif aux résultats qu'il mène. Qu'est-ce que t'en penses? Non, je pense d'abord que les querelles de chiffres, parce qu'on se polarise sur les cambriolages, il y a d'autres secteurs de l'insécurité dont les chiffres sont moins mauvais, et il faudrait avoir l'honnêteté de le dire. Deuxièmement, je pense que Valls, il remplit une fonction politique plus que technique au ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'il a polarisé l'aile droite du Parti Socialiste. Et il permet à François Hollande, justement, d'avoir une sorte de position de médiateur dans les différentes tendances du PS, entre sa droite et sa gauche. Médine, alors? Moi, je pense qu'il est en campagne. Il est clairement en campagne. Il prévoit l'après de sa carrière. Et avec l'affaire Dieudonné, pour revenir à ce qu'on disait, il a un peu pris en otage toutes ces questions qui sont liées à l'identité, qui sont liées au racisme, à la liberté d'expression. Oui, mais Médine, moi, sur l'affaire Dieudonné, c'est là où je suis le moins sévère avec Manuel Valls, parce qu'il a mis fin à 10 ans d'impunité de Dieudonné, qui n'a plus le droit de tenir des propos nazis sur scène, qui est obligé, comme toi et comme moi, de payer ses impôts, qui ne peut plus envoyer de l'argent au Cameroun. Donc finalement... Sur l'affaire de... Vous êtes d'accord? Ce qui est vrai, c'est que c'est dommage que droite comme gauche, on n'ait pas appliqué les décisions de justice. Oui. Dieudonné, c'était un délinquant fiscal. Depuis 10 ans. Il fallait appliquer les décisions de justice depuis 10 ans. C'est pour ça que je dis droite comme gauche, j'essaie d'être honnête. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Manuel Valls? Il n'a fait que de la pub à Dieudonné à quelques jours du début de sa tournée. Il est tombé dans le panneau en faisant de la pub à quelqu'un qui ne demandait que cela. Et puis, il n'a pas réglé le problème. Il n'a pas du tout réglé le problème de l'antisémitisme. Il n'a fait que casser bruyamment le thermomètre. Je trouve qu'il l'a exacerbé, même. Dieudonné a inventé la quenelle, mais Manuel Valls l'a popularisé. Oui, mais bon, il a arrêté Dieudonné aussi. Et ça lui a coûté. C'est-à-dire qu'il a perdu 7 points de popularité. C'est bizarre, quand même. Mais ça lui a coûté parce que les gens, ils ont compris que c'était un coup de com'. Ouais. Et qu'à chaque fois, ce sont des artifices et des dérivatifs de communication pour masquer concrètement son impuissance sur le terrain. Alors on passe maintenant à la manif pour tous. Alors le dimanche, il dit qu'il est le rempart de la République contre les forces sombres de la division. Alors que quand on voit la manif de dimanche, c'était des papas, des mamans qui poussaient des poussettes, des bons cathos. C'est pas jour de colère, hein, la manif pour tous. Oui, mais là, c'est pas très honnête, Thierry, parce que quand il parle le dimanche matin...
la manif qu'il a dans l'oreille et dans les yeux, c'est le jour de colère. Les jours de colère, ça n'avait rien à voir. Voilà. Et qui n'avait en effet rien à voir. Alors, soit c'est le ministre de l'Intérieur, c'est l'homme le mieux renseigné de France. Oui. S'il y avait un qui devait savoir que ça n'avait rien à voir le dimanche d'avant avec jour de colère et la manif pour tous, avec uniquement des familles qui étaient là pour préserver leur modèle familial et sociétal, j'ai envie de dire qu'il faut qu'il fasse un autre métier, Manuel Valls. Hein. Oui, alors, mais c'est plus compliqué que ça parce que dans les premières manifestations de la manif pour tous, il y avait aussi des gens qu'on a retrouvés dans jour de colère avec des slogans qui puaient. Donc, ça n'a pas été le cas le dimanche dernier, en effet, parce que la manif du jour de colère a été tellement radicale que les organisateurs, et à bon escient, de la manif pour tous, ont fait attention... Que ça se passe. Ce sont eux qui ont fait le job, plus que Manuel Valls. Surtout, regardez, dans le gouvernement, Manuel Valls, il fait à la fois ministre de l'Intérieur, Premier ministre, ministre de la Justice, ministre de la Famille. Mais ça, c'est un effet d'optique. Les autres sont tellement nuls qu'évidemment, il n'y a que Manuel Valls qui reste. Bah oui. Mais est-ce qu'il ne vous énerve pas aussi? Parce que c'est celui qui mord le plus sur l'électorat de droite, c'est-à-dire c'est le ministre de gauche que les gens de droite ne détestent pas. Ça ne me dérange absolument pas parce que c'est une popularité totalement inutile. Parce que vous inquiétez pas, le jour où il faudra voter, les gens de droite, ils voteront à droite, ils voteront pas Parti Socialiste. Bien, alors on termine avec le Front National. Alors Valls, c'était la machine anti-Front National. Il va sur le terrain, etc. Est-ce que vous pensez qu'il peut vraiment lutter contre le Front National? Effectivement, il est allé sur le terrain, je l'ai vu. Ouais. Il est allé par exemple à Forbach, qui est la ville où Florian Philippot, le vice-président du Front National, est candidat aux élections municipales. Ouais. Personne ne savait que Florian Philippot, le vice-président du FN, était candidat à Forbach. Ouais. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Dans la bonne stratégie mitterrandienne, il va à Forbach avec 80 journalistes, plutôt que de faire son boulot pour mieux protéger nos concitoyens, pour faire un meeting, tout ça, pour populariser la candidature de Florian Philippot. C'est un bon politique, vous, quand même. Hein. Ouais, ouais. Il est pas mal. C'est vrai qu'il est un peu, à Hollande, ce que Sarko était à Chirac. C'est-à-dire un mec qui gesticule dans tous les sens et qui, au fond, pense à sa carrière. C'est ça qui vous énerve. C'est que c'est une espèce de clone de Sarkozy, Valls. Non, pour moi, c'est un Sarko au petit pied. C'est un peu le Sarkozy du pauvre. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a effectivement la communication, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de résultat. Alors, pour vous, conclusion du débat, est-ce que Manuel Valls, c'est le futur président ou un tigre de papier? Ah non, pas le futur président. Ah non. Non. Vous voyez pas président? Non. Nédine? Moi, j'avais un peu vu l'élection présidentielle de François Hollande comme un peu une bouffée d'air sur les questions d'identité, sur les questions d'immigration. Et là, je vois Valls qui remet les couverts, qui gesticule dans tous les sens. Ouais. Et voilà, moi, ça me fait peur. J'espère qu'il ne sera pas président, en tout cas. D'accord. Et j'espère qu'il sera un tigre de papier. Ouais. Et vous? Moi, j'écoute ce qu'on me dit de part et d'autre. D'accord. C'est mon métier. Benjamin, pour vous? Le futur président, non. Et un tigre de papier, non plus. Ah bon? J'ai envie de dire que c'est... C'est suisse, en fait. Non, je ne suis pas suisse non plus. Non, il a un site de fitness. Nous accueillons notre terrien du samedi 20h, ce soir, Stéphanie Clavery, bonsoir. Alors, Stéphanie Clavery, à 35 ans, après plusieurs tentatives de PMA, vous et votre mari décidez d'adopter un enfant. Vos conditions, il faut que l'enfant soit en bonne santé et qu'il soit tout sauf noir. Tout sauf black, TSB. Et puis, par le hasard des procédures administratives, vous vous retrouvez face à un petit garçon d'origine africaine. Cette histoire, Stéphanie, vous la racontez dans un livre intitulé « Ma famille en noir et blanc », publié chez Anne Carrière, et à 20h dans Salut les Terriens. Et maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour « Elle est pas belle, la vie ?» Alors, je suis en train de garder un chat à la maison. Ouais. Qu'est-ce qui me saoule, putain. Heureusement qu'il y a Farid, là, tu sais, Stanley Kubrick des quartiers nord, il vient de faire une vidéo. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien de voir ce que je dis. Bon, le pauvre, il s'est pris un an de tôle, mais ça, c'est ce qui s'est mal défendu, il s'est très mal défendu. Il aurait dû surfer sur les sujets du moment, tu sais, il aurait pu dire, moi je veux bien, mais moi je vois bien, madame le juge, mais j'ai la moustache qui pousse, je mue, je sens le fauve, je crois que j'ai un problème d'identité. Je n'arrive pas à accepter, peut-être que je suis un chat, miaou, peut-être que je me venge. J'hésite, madame, je suis un chaton ou un mannequin coq sportif, miaou, je sais pas, j'ai jamais connu ma mère, c'est peut-être Catwoman, enfin voilà, je me cherche.
Alors, le vrai sujet de la semaine, bien sûr, c'est cette info. Il paraît que Hollande n'a pas revu Julie Gayet depuis qu'il a rompu avec Trierweiler. Ouais. Ah ouais. Alors, j'ai vu Trierweiler en couverture de match. T'as, j'ai l'impression qu'elle a avalé Jeanne Calment. Quand même. En tout cas, moi, je suis très inquiet pour François. Enfin, c'est, tu vois, enfin, quand t'es un chaud lapin, un mois d'abstinence, ça commence à faire beaucoup. Hein. Alors, je sais qu'il va aux États-Unis bientôt. Moi, j'éviterai le Sofitel. Sinon, quoi d'autre? Eh bien, du classique, vous avez commencé à aborder la question. Comme toutes les semaines, la République est menacée par la peste brune, les forces réactionnaires, les heures sombres de l'histoire, Dark Vador, Hannibal Lecter, Caroline Fourest. C'est... Non, mais c'est devenu un classique. Hein. C'est bien simple. Aujourd'hui, si t'es pas un gauchiste enragé ou un facho, t'as l'impression d'être Nana Mouskouri coincée entre les Stones et les Sex Pistols. Alors, moi je dis pas les années 30, sale période. Hein. Ouais. Surtout en 33, l'assassinat du Christ. Moi, j'étais en... Pourquoi ils l'ont dénoncé? C'était un mec chouette, quoi. Ouais. En tout cas, finalement, le gouvernement a retiré sa loi sur la famille. Enfin, le gouvernement, bon, Valls, évidemment. Hein. En ce moment, il fait tout. Hein. Ouais. Ouais, il fait tout. Plutôt que de faire premier flic de France, il aurait dû ouvrir un service de conciergerie, tu sais. Un délinquant arrêté, une GPA abrogée, un parquet apposé, une fosse sceptique à purger. Valls répare, Valls remplace. Tu sais. Polémique. Alors forcément, dans un climat pareil, c'est très propice aux rumeurs. Alors depuis deux semaines, grosse campagne de manipulation. C'est l'histoire des fameux textos qu'on envoie aux parents pour dire qu'on apprend aux enfants à se masturber à l'école. Alors j'ai fait mon enquête. Je suis allé sur le site de l'Éducation nationale, rubrique ABCD de l'égalité. Alors je confirme, effectivement, ce que j'ai lu, c'est vraiment de la branlette. Hein. Ouais. Mais attention, hein. De classe internationale. À côté, le congrès mondial des enculeurs de mouches, c'est du sérieux. Hein. Qu'est-ce que j'ai ri, mais qu'est-ce que j'ai ri. Alors, le but de la démarche, je cite, c'est proposer des activités qui procurent des émotions inhabituelles et qui vont à l'encontre des stéréotypes sexistes. Exemple, je cite toujours, de la course d'orientation pour combattre l'idée que les filles sont peureuses et ne savent pas s'orienter. Refaire le conte du chaperon rouge en mettant des hommes dans le rôle du chaperon rouge et des filles dans le rôle du loup. On propose même des pistes d'ouverture à l'égalité avec cette lecture. C'est l'album d'Hector, l'homme extraordinairement fort. Je cite, Hector, l'homme extraordinairement fort est capable de choses époustouflantes. Pourtant, une fois son numéro terminé, Hector est un homme discret. Il a installé sa caravane à l'écart, loin des regards, car il a un secret. Il tricote. Autre exemple d'activité. C'est drôle. La GRS, gymnastique rythmique et sportive, avec un ruban. Alors, le but, je cite, faire des activités qui permettent aux filles de prendre des risques avec un objet qui les attire. Et aux garçons d'être dans une activité esthétique tout en prenant des risques corporels. Ah, c'est vrai. C'est sérieux. Et c'est sérieux, oui. Il y a des putains d'auteurs payants. Hein. Super drôle. Ouais. Non, mais tu sais, tu feras de la GRS esthétique, mon fils, et tu donneras des coups de boule, ma fille. Et ainsi, ils affronteront la mondialisation. Enfin, bon, je veux dire. Alors, certains dénoncent le lobby LGBT. Bon, moi, je connaissais pas jusque-là. Hein. Bon, LGBT, je pensais que ça c'était un peu une banque de sperme au Luxembourg, tu vois. En fait, c'est l'abréviation de lesbien, gay, trans, bi. Putain, c'est d'un triste. Non, mais tu rajoutes la lettre S pour sclérose en plaques et P comme philatélie, tu comprends pourquoi ils sont souvent seuls dans les manifs, quoi. Pardon. Je sais que c'est sale. Mais ça m'excite. Non, mais... C'est pas pour critiquer, enfin vous qui êtes lesbienne. Enfin non, non, non. Elle est joueuse. Ah merde, pardon. Elle est joueuse de tennis. Alors, ouais. Je suis vraiment désolé, parce que dans le fut. Parce que les rubans, ça va perturber. Ah ouais? Non, mais en plus, ça doit être tellement pratique. Tu as une discussion dans les couples lesbiens ou gays sur l'enfant, c'est... moi, je les envie. Hein. C'est les seuls couples où on ne peut pas te faire un enfant dans le dos. C'est vrai? T'as pigé laquelle, en fait? France,
Montebourg. Arnaud Montebourg exige que Google domicilie ses données en France. Ouais, vous avez bien entendu. Hein. Arnaud menace Google. T'es rien que l'intitulé, tu sais qu'il va pas arriver à s'asseoir pendant 3 jours. Tu sais, c'est... Non, mais lui, il est jamais fatigué. Montebourg, en fait, c'est le Chuck Norris français. Oui. Ouais. Tu remplaces Chuck Norris par Montebourg dans les blagues sur Chuck Norris, ça fonctionne pareil. Exemple. Si la courbe du chômage ne s'est pas inversée, c'est parce qu'elle attend qu'Arnaud Montebourg lui donne l'ordre. Seul Arnaud Montebourg sait où se trouve le papa de Stromae. Arnaud Montebourg n'a pas besoin d'une loi pour faire une PMA. Un mixeur lui suffit. Bonne nouvelle. Mercredi, ça a été, donc il y a 4 jours, journée de prévention du suicide. Ouais. Alors cette année, le gouvernement a mis le paquet. Ils ont envoyé des textos aux gens qui avaient un dossier un peu lourd. Alors je te dis, le texto, c'est « Ne t'inquiète pas, je suis là », signé Jean-Marc Ayrault. Alors, pas belle la vie ? Voilà, c'était Gaspard Proust. Je vous retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, demain, à 15h sur Canal. Et bien sûr, sur canalplus.fr. On passe maintenant à notre terrien du samedi 20h. Stéphanie Clavry, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes née le 29 septembre 1967 à Alençon, dans l'Orne, père industriel dans le textile, mère styliste. Alors, ce qui est très marrant par rapport à ce qui va se passer après, c'est qu'au moment de quitter le sud-ouest pour la Normandie, votre père avait le choix aussi avec l'Afrique noire. Oui, j'aurais pu naître à Abidjan. Alors, vous naissez à Alençon, vous grandissez à Alençon, loin de la mixité. À 17 ans, vous débarquez à Paris et vous voulez depuis toujours faire du cinéma. Et vous commencez par les Beaux-Arts, ensuite l'École supérieure d'audiovisuel. Et à la fin de vos études, vous êtes embauché, vous trouvez un boulot. Je commence à faire des plateaux et après je vais vers la fiction. Ouais. C'est vraiment mon objectif. Alors tout va bien, mais vous avez 27 ans quand soudain vous vous sentez extrêmement fatigué. Et le diagnostic est terrible. Cancer des ganglions au stade 4. Ça veut dire que toute la chaîne ganglionnaire est atteinte des pieds à la tête. Oui, c'est ça. Alors, au bout d'un an, vous êtes tiré d'affaire, vous êtes sorti de votre cancer, et là, vous rencontrez Pascal. Oui. Pourtant, ça. Vous n'étiez pas dans votre meilleure forme. Non, je n'étais pas des plus séduisantes, c'est vrai. Oui. Il est psy ? Oui. Alors, tous les deux, vous voulez rapidement un enfant, mais les médecins sont formels. Ils vous disent, suite au traitement que vous avez subi pour votre cancer, il faut attendre 5 ans. Oui, parce qu'il y a de très forts risques qu'il y ait des problèmes de santé ou d'handicap. Ouais, ouais. Voilà. Alors, au bout de 5 ans, vous essayez. Ah oui. Et ça ne marche pas. Et non. Non, vraiment pas. Pas du tout. Non, pas du tout. Vous faites des PMA. Mm. Ça ne marche pas non plus. Non. 3 FIV, 3 échecs. Je suis très, très mauvaise donneuse. Autant monsieur est très performant, autant moi, je suis pas bien. Alors, reste l'adoption. Oui. Au départ, c'est une situation qu'on ne veut pas entendre. Moi, ouais. Pour moi, l'enfant, c'est celui que je veux mettre au monde. Et après, on nous propose effectivement que par insémination, voilà, il y ait les dons de spermatozoïdes de mon mari. Et là, ouais. D'un commun accord, on décide de partir tous les deux vers l'adoption. Ouais. 8 ans, ça va durer. Oui. 8 ans. 8 ans de déception. Un jour, vous allez au Portugal, on vous propose un enfant en vous disant « c'est une catégorie très prisée par les étrangers ». Et on vous propose un enfant trisomique. Oui, et là, on part en courant. Ouais. Alors, pendant 8 ans, il y a une enquêtrice sociale qui vous aide à peaufiner votre dossier, qui vous demande, est-ce que vous voulez un garçon ou une fille, est-ce que vous voulez un jeune ou plus âgé, noir ou pas. Et vous, vous voulez pas de noir. Vous voulez bien qu'il soit d'Afrique du Nord, mais pas noir. Alors, je ne sais pas si... C'est incorrect de se poser la question, mais en tout cas, on se la pose avec mon mari. On se la pose pour l'enfant et pour nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout prêt à une adoption visible. Ouais. C'est-à-dire qu'on craint et pour l'enfant et pour nous. C'est-à-dire que vous n'êtes pas raciste, mais vous dites que ce n'est pas facile pour l'enfant d'avoir une mère blanche et inversement, et vous voulez qu'il s'identifie à vous et inversement. Donc vous pensez qu'une adoption d'un enfant noir va être extrêmement difficile. Pour tout le monde. Voilà. Alors, est-ce que c'est être raciste ? Je ne sais pas si de se poser la question, c'est être raciste. Je le pense pas. J'en sais rien. J'ai pas peur à l'idée que l'enfant soit noir. J'ai pas peur de l'enfant noir. Oui. J'ai peur de moi-même. Mm. J'ai peur de moi-même par rapport à ça. Je me dis comment je vais pouvoir
pouvoir être sa mère. Et puis un jour, vous recevez la lettre. Donc c'est un enfant de 3 mois, en bonne santé, normal, né à Paris. Et quand vous arrivez au bureau de la DAS, l'enquêtrice sort une photo. Et là, la réaction de Pascal, oh là là, il dit, qu'est-ce qu'il est moche. Là, il y a un choc. Dans le qu'il est moche, c'est, il y a un choc dans la souffrance de cet enfant. Mais c'est vrai que le bébé donc, a les yeux grands ouverts, le visage crispé, tordu, la peau sur les os, et il est noir. Et là, vous restez sans voix, quoi. Vous allez au bistrot, ouais. et vous pleurez tous les deux. Là, on s'effondre. Et encore une fois, on a peur. Enfin, moi, personnellement, j'ai peur, mais vraiment, j'ai peur de moi, j'ai peur de ne pas pouvoir. Donc, on part chacun dans nos occupations de la journée, en se promettant de ne plus en parler. Ce qui est un acte manqué incroyable, c'est que votre mari renverse son café sur la photo du gosse, quand même, au bistrot. Ouais, et je dis effectivement que la photo s'éclaircit pour le coup. Et là, l'enfant nous... et là on sourit. Ouais. Pour un psy, oui. Évidemment. Alors, quelques heures plus tard, vous montrez la photo de l'enfant à votre prof de chant. Elle vous dit, je comprends. Et vous, quand vous revoyez cette photo, vous entendez la voix de l'enfant qui dit, maman. Oui. Dans ma réflexion, dans mon inconscient, il y a un cheminement qui s'est opéré qui fait que, à partir du moment où cet enfant est dans une nécessité commune avec la mienne, il ne peut être que mon fils, quoi. Et je ne peux être que sa mère. C'est pas possible, je peux pas. Alors là, pour le coup, j'en oublie mon propre intérêt. Ouais. Et je me dis, c'est pas possible, cet enfant qui a déjà été abandonné, ouais. je vais pas pouvoir, c'est pas possible, je peux pas être responsable de ça. Ouais. C'est, je pense, comme les femmes qui doivent accoucher. Là, je suis... ça y est, là, je suis en train de tisser le cordon. À l'inverse de le couper, c'est très juste. Je le tisse. Ouais. Alors, le soir, en rentrant du boulot, Pascal vous avoue ne pas avoir jeté la photo. Et donc il m'avoue que lui aussi, il a souri cette photo. Oui. Alors là, vous vous surprenez à embrasser la photo en douce, ce qui est extraordinaire. Oui. Et ça, parce qu'il y a eu 8 jours de délai avant qu'on puisse aller dans la pouponnière, qui était 2 rues derrière chez nous. Oui. Et là, il y a un phénomène de manque de plus en plus qui se crée. Et le jour de la rencontre, la puéricultrice, qui s'appelle Sylvia, est noire. Mais cela n'empêche pas à Pascal d'expliquer que vous ne voulez pas d'enfant noir. Et Sylvia, qui est noire, vous dit, je vous comprends, à votre place, je ferai pareil. Bon, sur ce, elle s'éclipse, elle va chercher l'enfant, et quand elle revient avec le petit dans les bras, au premier regard, votre mari dit, qu'est-ce qu'il est beau. J'adore votre histoire. J'adore. Du moment où cet enfant est entré dans les bras de la péricultrice, mon mari l'a arraché des bras de la péricultrice, il n'y avait plus rien qui comptait, il me l'a collé dans les bras. Et à partir de là, c'était... Ouais. On ne pouvait plus y toucher. C'est-à-dire qu'à partir de là, qu'il soit beau, qu'il soit moche, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, c'est votre fils, quoi. Et puis c'est comme ça. Voilà. C'est une évidence. Un truc extraordinaire, c'est que le jour où vous avez le droit de le sortir de la pouponnière, vous tombez sur des Africains dans un bus. Et les Africains, bien entendu, ils passent le petit de main en main, etc. Et je me suis sentie, j'étais en train de créer ce lien avec cet enfant, et d'un seul coup, je me suis sentie de nouveau dépossédée. Ouais. Je me suis dit, mais cette sensation, qu'il soit mon fils, ça devenait presque animal. Ouais. Je ne supportais même plus qu'on le touche, il fallait que déjà qu'on apprenne à se connaître. Et puis à un moment, il y a un vieux monsieur, un vieil Africain, qui le remet dans le porte-bébé, et il lui dit, tu vas être gentil toute ta vie avec ta maman. Et cet homme a compris dans le désarroi dans lequel j'étais. J'étais d'ailleurs en pleurs. J'ai passé beaucoup de temps à pleurer. Maintenant, ça va. Là, vous avez envie de l'embrasser, ce vieux monsieur. Je soupçonne de l'avoir fait, même. Alors, au bout de 8 jours d'adoption, tout le monde est d'accord, hein, les toubibs, les assistantes sociales, et tout, hein, le petit a trouvé ses parents. Tout le monde s'embrasse, tout le monde pleure. Enfin, voilà, l'enfant est réellement adopté. Et ensuite, vous ne tardez pas à découvrir, mais bon, la difficulté, effectivement, de l'adoption visible, parce que, d'abord, vous ne savez pas comment ça se passe, c'est-à-dire qu'il a des taches blanches sur le corps. Alors là, vous êtes maline, c'est que vous allez voir les Africains de votre quartier et vous leur dites, mais pourquoi il a des taches blanches? Il dit, mais c'est pas grave, il faut hydrater les enfants, les petits Africains. Donc vous repartez avec des seaux de beurre de karité pour masser l'enfant. Oui, je vais porter de la chapelle, parce que mon pédiatre ne trouve pas, il met ça sur le compte de la nervosité. Oui. Alors, on essaye des traitements, mais des traitements pour les blancs, quoi. Ça marche pas. Ouais. Paradoxalement, il a des plaques blanches, mais ça m'intéresse pas. Maintenant, je le veux noir, quoi. Alors, évidemment, c'est pas rose tous les jours, parce que le petit, à l'école, il prend conscience de sa différence, évidemment. On lui dit, c'est pas ta mère, elle est morte. Très vite, à la maternelle. Ouais. Donc, mon fils revient me voir en m'évoquant ce propos. Je lui dis, mais tu sais pourquoi il te dit ça?
Il me dit oui, parce que je ne suis pas comme toi. Je lui dis, donc il faut que tu lui expliques à ton copain. Si tu lui expliques, il va comprendre. Ouais. Du haut de ses 4 ans et demi, il est allé lui expliquer. Il y a la mère biologique et la mère adoptive. Évidemment. Ouais. Vous évidemment. Lui dites ça. Et ça va très bien. Mais c'est un allant de soi. Des fois, il vous dit, votre fils, quand même, il vous dit, j'aimerais bien que tu sois noire comme moi, maman. Je lui dis, mais tu sais bien que c'est impossible. Ouais. Si je suis comme toi, je ne suis pas ta mère. Oui, c'est ce qui a forgé votre famille, en évidemment. Fait. Évidemment. Oui, c'est sûr. De par cette différence qu'on bien a créé sûr. Notre famille en noir et blanc. Magnifique histoire. Merci de votre témoignage. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi soir avec Marion Bartoli, désormais consultante sur Eurosport et créatrice de bijoux. Michel Fille pour Le Soldeur chez Julliard. Très bon livre. Plus TF1 et Fille Europe 1 Histoire. Benjamin Castaldi, Tahiti Quest, à partir du 14 février sur Gulli et son site dietstory.fr. Médine, pour son protestant, merci beaucoup. Geoffroy Didier, cofondateur de La Droite Forte. Stéphanie Clavry, une famille en noir et blanc. Chiane Carrière, merci de votre témoignage. Salut les gars. Pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.